deux. Ici, de façon naturelle, j'attaque de façon naturelle, je viens là. Tout de suite, ici, dans un bien. Les amis, maïdéris, Jacques, soupir, soupir, pivot sur la jambe avant, en rotation, pour tout de suite contre-attaquer. Contre-attaquer, luxé. La mise hors combat, elle est là. Et si toutefois il a quelque chose à faire, il veut sortir une arme blanche ou quoi que ce soit, là, ok, je peux frapper. Tout de suite, je descends sur mes appuis en immersion, tapis de souki. Ma jambe arrière, contrôle, 360 degrés, urakenuchi. Légèrement, je reviens, kizamitsuki jodan, tapis de souki. Je suis linéaire tout de suite, je frappe. Quand il veut, je frappe. Et là, je fais un travail de levier. Un travail de levier et je l'accompagne. Tout de suite, mon fumikomi. D'accord? Et ici, je passe au niveau des yeux. Je ne mets pas devant la bouche, il pourrait me mordre la main. C'est tout bête, mais ça peut arriver. Au niveau des yeux, pour pas qu'il voie sa misère. Je frappe et ici, je descends le genou dans les lombaires. D'accord? Ma position équilibrée. Je tourne la tête. Une attaque, vous êtes contré, vous ne restez pas sur le contre. Au mouvement naturel, je prends ça. Je m'enlève du danger. Au tout moment où je suis là, je frappe. Même si mon deuxième n'atteint pas, ce sera au moins j'en aurai mon 3 ou mon 4e qui touchera. Parce que moi, dans mon déplacement, c'est plus facile de me déplacer vers l'avant que lui vers l'arrière. Donc je vais gagner du terrain. Là, hop, il est dedans. D'accord ? Et avant, je passe en train. Là, hop. Et là, je frappe. Après, ce qui me permet d'aller enchaîner. Je chope la main parce qu'elle peut être encore... Elle peut encore frapper. Et l'idée, c'est ça. Dans la frappe, je suis là. C'est 1, 2, 3, et je viens. Ok? Faites le souffle. Ici, je frappe. Et là, je vais simplement aller chercher en poussant sa jambe. Pitch. Hey, allez.